Monsieur Hutin, bonjour. Bonjour. Au fond, à quoi sert Ouest France? Pourquoi un journal? C'est une grande question. On peut faire un journal pour gagner de l'argent. Ce n'est pas défendu. Mais on peut aussi faire un journal pour informer et pour mettre les gens en communication. Être un lien dans la société. Et même un lien. Sur la une de votre journal, sous le titre, figurent les mots justice et liberté. Qu'est-ce que ça signifie? Ces mots-là sont inscrits dans la manchette et coulés dans le plomb du journal, depuis la libération. Justice et liberté, pour nous, sont deux valeurs indissociables. La justice, l'égalité, ne peut pas se concevoir pour nous sans liberté. Et ceux qui ont voulu une justice ou une égalité sans liberté, on sait ce que ça a donné, les goulags, à travers toute la Terre. Alors nous voulons la justice et l'égalité dans la liberté. De même, on ne pourrait pas concevoir la liberté sans justice. On sait aussi à quels excès cela conduit, c'est-à-dire à l'exploitation des gens et à leur mépris. Une liberté sans justice, c'est l'inégalité assurée et l'écrasement de la personne. Donc nous voulons la liberté, la justice. Alors peut-être que vous allez me demander pourquoi n'avez-vous pas inscrit la fraternité? Parce que nous pensons que quand on parle de justice et d'égalité, nous sommes déjà frères, égaux, par cette fraternité qui nous unit. Pourquoi un journaliste écrit-il dans Ouest France? Et en même temps, pourquoi un lecteur le lit-il? Je pense qu'un journaliste digne de ce nom, qui écrit dans Ouest France, a d'abord le souci de servir, d'aider les gens. Le journal n'est pas une fin en soi. Le journal est le moyen d'aider les autres. Et je pense que le journaliste qui écrit dans un journal en général, mais dans Ouest France en particulier, a une vive conscience du service qu'il est appelé à rendre. Et ce service est véritablement aider la personne à s'insérer dans une communauté, mais aussi aider la communauté à prendre conscience des besoins des personnes qui la composent. C'est tout un ensemble. Et c'est là que je dis, en effet, le journal est un médiateur et un média. Imaginez un instant que Ouest France n'existe pas. Est-ce que vous risqueriez votre argent, celui de votre famille, de vos amis? Est-ce que vous réussiriez à les convaincre qu'il faut en lancer un? Impossible d'imaginer que Ouest France n'existerait pas. Impossible. Et s'il disparaissait, ce serait un tel vide que ce vide ne resterait pas vide longtemps, il serait très vite comblé. Alors s'il n'existait pas, eh bien nous viendrions combler ce vide et nous ferions Ouest France. Et alors, si vous repartiez à zéro, à quoi ressemblerait ce journal? Est-ce qu'il serait très différent du journal Ouest France d'aujourd'hui? Peut-être différent dans sa forme, dans son format, dans certains de ses rythmes, dans son organisation intérieure, mais certainement pas dans son idéal. Autrement, ça ne vaudrait pas la peine.